Et bien donc là c'est l'atelier par enfant, donc théâtre par enfant. Et donc bah, le but c'est que comme les enfants ils sont très instinctifs, ils vont vachement facilement aller dans le jeu, les adultes un peu moins, donc ça les bouscule un peu. Et puis dans un autre sens, les enfants ils sont moins dans la construction d'une histoire, de choses comme ça. Et là c'est là que les adultes les aident. Regardez, il y en a des bleus. Vous aimez bien les pamplemousses bleues? Ça n'existe pas. Si, justement, ça existe. Ma preuve, regardez. Marche neutre. Non. Marche neutre. Mais alors, mais quelle oh horreur. Oh, mais c'est la même expression, c'est pas du la... Je savais que c'était horrible, c'était de la torture. Ah oui, c'est de la torture, absolue, je confirme. C'est une torture. Je suis dans la dernière. Il faut ouvrir les portes, oui, dépêchez-vous, on va mourir asphyxié. Des improvisations. Très bien. Le calmer. Mon chien, il est là. Tout sauf le théâtre. Sauf le théâtre. Tout. Ah, surtout le théâtre avec les enfants. Oh. Mais quelle idée. La plupart, hop, ils le mettent au foot. Eh bien, voilà. Mais, vous avez vu, ça marche. On va faire un échange entre les générations, que ce soit avec son propre enfant ou c'est avec les enfants des autres. Et il y a des liens assez marrants aussi qui se créent entre les enfants et les adultes, pas forcément leurs parents. Voilà, grâce au théâtre. Oh, mais j'en ai un chanteur. Très bien. Une expérience. Non, c'est pas la peine d'en reparler, c'est pas. Moi, c'est trop, c'est trop. Non, on va s'arrêter.